Hey, salut les amis, ici Chaotique, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très très bien. Et c'est sur cet épisode de The Walking Dead, le dernier de l'épisode 1, qu'on se retrouve aujourd'hui. La dernière fois, on s'était quitté par une mort tragique. On devait décider entre sauver la fille ou sauver le garçon. J'ai choisi de sauver Carly, la fille. Car oui, j'avais envie de repeupler le monde après l'apocalypse. Et on se retrouve ici au motel, là où dans l'épisode 4, la femme bizarre se tue elle-même avec le pistolet de Carly. Et on va tout de suite avancer dans cet épisode. Ce sera un court épisode car c'est vraiment la fin. Par contre, avec ceci, il y aura le prochain, un petit trailer du prochain épisode de l'épisode 2. Donc je vous laisserai apprécier cette petite intro de l'épisode 2. Là, tout de suite, je vais vous laisser les dialogues. Voilà, donc là, voilà, il va retrouver ses amis et tout, qui est parti dans une ville, je sais plus laquelle. Donc il veut tenter sa chance d'aller les sauver. Parce que il sait qu'à la radio, voilà, c'est vraiment l'apocalypse. Ça commence à devenir un peu partout, en fait. Il y a vraiment à avoir des zones, régions apocalyptiques. Donc voilà. Donc on demande à sauver ses amis. Ok. On va essayer de pas se gourer. Ah oui. Donc voilà. Dans l'épisode 4, on voit très bien la femme qui sort de cette porte que vous venez de voir. Elle était blessée, son petit copain venait de se faire tuer, c'était vraiment une barge. De toute façon, il fallait qu'elle se tue. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Donc, on va parler un petit peu à tous ces personnages juste avant de voir la fin. Voilà, donc ici ils ont tout le monde quasiment envie de partir. No problem. We have to take care of each other. You said you wanted kids once. Ouais, donc mon avis, lui, c'est plutôt un choix. J'ai envie d'aller ailleurs parce qu'aussi, c'est dans le groupe avec le vieux là. Il y a une petite embrouille avec le fils qui s'est fait asperger de sang, etc. Bon, tout ça, vous pouvez les voir dans les vidéos précédentes. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Donc, allez, voyageons un petit peu. Allons voir celle que j'ai sauvée. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. I'm sorry, Carl. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I think. Voilà, elle aimait bien aussi l'autre. Mais c'est vrai qu'entre choisir entre lui et elle, bon, j'ai préféré la sauver. How did you choose? C'est pas vraiment un choix stratégique, c'est vraiment pour subvenir à mes besoins personnels. Oh! Non! Attention, hein! Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit! Ok. Allez, allons parler un petit petit enfant. On va essayer de les rassurer. Ouais, voilà le... Ouais, on en a bien chié dans les précédentes vidéos pour aller chercher des pills, des médicaments pour son cœur. À cause de lui, on s'est... Pas à cause de lui, vraiment, mais on s'est vraiment fait attaquer. On a dû aller chercher les clés dehors. On s'est fait poursuivre par une horde de zombies, tout ça pour se finir dans une pharmacie, dans la pharmacie, pour que l'alarme sonne, pour alerter encore les autres zombies. Et
Et enfin, du coup, se retrouver ici au motel. Eh bien. But it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. Ouais, je sais, c'est dur, c'est dur. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. Je vois même pas pourquoi je lui parle à lui parce que j'ai failli mourir aussi à cause de lui là. Me donner une bonne droite à. Not really. Good. Stay away. Me donner une bonne droite à repartir là, avant de quitter la pièce. Heureusement que Ken là, moustachu, m'a sauvé. Parce que sinon. Sinon j'étais mort par une zombie. Par un zombie, mais c'était une femme. Et alors, dis ce que je veux d'abord. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter, that little girl you've got with you, what's happened to you? But if anything, you have what you ask. Yeah. Hey, Lee, do you have a second? Allez, après le père, la fille. My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead. Il est vraiment tout chamboulé, ce monsieur. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Oh là là, quel drama de fin. Coupure d'électricité. Et voilà, je l'avais dit, c'était un court épisode. Vraiment deux fins, et là ça va être l'intro du deuxième épisode. Je vais vous laisser découvrir cet épisode 2. Vous allez voir aussi, donc tout va se passer un petit peu dans le motel, vous pouvez le voir, hein. Mais ils ont bien consolidé le devant pour que vraiment aucun zombie ne vienne. Ça c'est bien. Gotta get food, Lee. Soon. Ah, donc vous voyez que dans l'épisode 2, les rations de nourriture commencent à manquer. Bon, vous allez voir dans les prochains épisodes. Oh, il va vraiment se passer aussi quelque chose dans cette ferme. Oh, mais là c'est vraiment, vraiment bien fait quoi. C'est. Bim! Oui, bim! Et voilà! Ah, donc voici mon tableau comment dire, d'honnêteté, ouais, voilà, d'honnêteté, et... enfin, plein de trucs comme ça. Donc, Lie to Ocean, 63%, 49, 48, 55, 76%. Ok, bah, ça a l'air pas mal du tout, ça a l'air pas mal du tout. Donc, écoutez, les amis, voilà, ce fut une vidéo très très courte d'une dizaine de minutes. Sur ce, la prochaine fois on se retrouvera sur l'épisode 2 et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Surtout portez-vous bien, allez, ciao, bye bye.